Eh bien, bonsoir ou bonjour les amis, et je vais vous parler, vous avez vu en bande-annonce, d'un film qui, je le dis, dans son genre, dans son thème, dans ce qu'il développe, est mille fois meilleur qu'un certain Matrix des Wachowski. Ça s'appelle Dark City, et j'ai envie de dire tout ce que... Tout ce qu'on dit, dans ce, genre, pour rester dans son thème, tout ce qu'on dit, les Wachowski dans leur Matrix, vous l'avez déjà dans ce film qui a été réalisé 5 ans auparavant. Je rappelle que Matrix a été réalisé en 2003, si je m'abuse, et Dark City, donc ce film, a été réalisé en 98. Plus précisément, il est sorti en France, enfin du moins en France, il est sorti le 20 mai 1998. Un peu plus tôt aux États-Unis, je crois qu'il est sorti en février 98 pour les Américains. Réalisé donc, il est réalisé par Alex Proyas, à qui on doit aussi l'excellent The Crow avec Brandon Lee. Nous avons casting, alors nous avons casting Rufus Sewell, nous avons le fils de Donald Sutherland, nous avons Kiefer Sutherland, on a Jennifer Connelly, on a William Hurt, on a Melissa George. Bref, à la BO, une BO excellente de Trevor Jones. Et le film est distribué par la Warner, aussi les propriétaires de Matrix. Donc un peu un lien quand même. Et par le filial New Line Cinema. Il dure 95 minutes, à savoir qu'il existe aussi une Director's Cut de 2008. Qui fait 111 minutes. Alors quand je vous dis qu'il est meilleur que Matrix, il parle de quoi? Alors c'est l'histoire, est-ce qu'on est dans le futur? Oui, apparemment, mais on ne sait pas quand, si c'est un futur proche, si c'est un futur lointain, si même le temps dans lequel on évolue dans ce film existe vraiment, si c'est pas quelque part un temps suspendu, mais ça on y reviendra. Parce que si on suit l'histoire comme ça, d'un homme, John Murdoch, incarné par Rufus Sewell, et qui se réveille, on ne sait pas comment, on se réveille, ben, dans une baignoire, aux côtés d'une femme mutilée. Donc apparemment, il l'aurait tuée, mais lui, il est convaincu du contraire, et à partir de là, ben, il va vivre l'enfer, c'est-à-dire qu'il va essayer... Il va être pourchassé, persécuté par la police pour avoir commis ce crime sadique et assez horrible. Alors qu'il ne sait pas ben pourquoi j'ai fait ça. Et lui, il se souvient plus de rien. Il se souvient plus de rien. Il se souvient plus d'être rentré dans cet hôtel, etc. Il sait qu'il a rien. Il sait plus rien. Et donc, il va être à la fois traqué par donc l'inspecteur, je ne sais plus son nom dans le film, je crois que c'est la future Bumstead, qui est incarné par William Hurt. Et il va commencer pour lui un peu à la fois une quête, une cavale, mais aussi une quête d'identité, pour se remémorer un petit peu les trous qu'a sa mémoire. Et comme ça, il va passer pour lui des... Alors, il va comme ça, une quête, il va remémorer un petit peu, parcourir les méandres de son... De sa mémoire pour ensuite recomposer son passé, et au cours de ses pérégrinations, il va comprendre aussi qu'il est un petit peu dans une ville labyrinthique, tout ça, et il va rencontrer des personnages assez mystérieux, vêtus un peu de noir, un peu comme ça, le teint pâle, livide, et qui se parcourent dans la vie alors que celle-ci est toujours en train de dormir, toujours au noir, toujours. Et il va faire des découvertes étonnantes. Et il va un petit peu être aidé dans cette sorte de quête par le docteur Schreiber, incarné par Kevin Sutherland, qui va un petit peu comme ça l'amener à dénouer les fils de cette intrigue. Alors, évidemment, c'est un film qui n'est pas sous... c'est un film d'influence, hein, c'est un film héritage, et déjà, rien que par l'affiche,
on le voit, mais aussi on le voit dans le film, hein, c'est un film qui emprunte à beaucoup de films, qui est un peu comme Metropolis de Fritz Lang, qu'on le voit ici. Je crois qu'il est repris aussi sur le CD, hein, très. Voilà, non, même pas. Alors, il y a beaucoup de bonus d'ailleurs, même aussi des films de Fritz Lang, mais aussi beaucoup de films des années 40, 50. Il y a aussi des références au Faucon Maltais. Il y a aussi des références aussi à la série La Quatrième Dimension, la célèbre série de La Quatrième Dimension des années 50-60. Il y a aussi comme ça des références, un peu beaucoup, beaucoup de références aussi pareil aux années 40. Alors, le film, on ne sait pas quand ça se passe. On ne sait pas si on est dans le futur, certainement. Mais parce que les gens sont habillés un peu pareil, sont habillés comme dans les années 40. Des voitures sont des voitures des années 50. On a l'impression que le temps s'est arrêté ou alors suspendu comme ça. Ou même, est-ce que l'humanité existe encore puisque on va apprendre progressivement, on l'apprend même dans le prologue du film, que une race comme ça d'étrangers, une race d'inconnus, est venue sur Terre pour endormir la Terre et pour. Voilà, pour la coloniser, pour la prendre, on ne sait pas trop, comme ça, la conquérir. Et donc on va apprendre voilà, que les humains sont humains, que si on est dans un monde, c'est pour ça qu'on arrive dans un monde qui est totalement un peu comme si on était une sorte de huis clos, où il n'y a plus de soleil, le soleil a disparu, où les gens dorment directement à minuit, tout le monde s'endort à minuit, et pendant ce temps-là, il y a ces hommes, ces fameux hommes mystérieux, les étrangers comme on les appelle, qui les saisissent, qui les emmènent, et progressivement ils recomposent un petit peu ce monde tel que eux ils l'ont envie. Et c'est un peu le but de ce film, c'est ça, c'est un film qui va jouer sur la mémoire, c'est un film qui va jouer sur les apparences, sur les faux-semblants, sur l'illusion aussi, et aussi. Voilà, et c'est pour ça que je dis que ce film est bien meilleur que Matrix, parce que j'ai envie de dire, voilà, Matrix face à ce film, c'est une copie. Matrix, c'est une copie de Dark City. Alors bien sûr, oui, il y a aussi, bien sûr, dire, alors oui, bien sûr, il y a les combats de Matrix, mais je veux dire, les combats ne font pas tout un film. Là, il y a toute une ambiance, il y a quelque chose, il y a vraiment un mystère, il y a des effets spéciaux, il y a des beaux plans, je veux dire, on sent toute une ville qui vit, qui vibre, qui est remodelée à chaque fois, parce que justement, au gré de ces étrangers qui remodèlent la ville, qui redessinent de nouvelles identités aux habitants, qui se réveillent un petit peu, comme ça, ils ne savent rien. Mais justement, lui, John Murdock, le héros du film, eh bien, lui, ça ne va pas marcher pour lui, il va se souvenir de sa vie, et là, c'est pour ça qu'il va être à la fois eh bien, pourchassé par la police, pour le meurtre supposé qu'il a fait dans cette baignoire, et aussi par les étrangers, ces hommes, ces fameux mystérieux, qui n'ont pas envie qu'il soit révélé ce qu'il a vécu. Parce qu'il a vécu une enfance, il sait qu'il a vécu une enfance, il sait qu'il a eu une petite amie, il sait qu'il voilà, qu'il est tout ça. Mais il y a aussi la présence d'un docteur qui est un peu une sorte pris en otage aussi par les étrangers et qui discrètement va lui dire pourquoi il se souvient, pourquoi il a tous ses souvenirs. C'est, je vous dis, c'est un film sur la mémoire en même temps et tout sur les capacités du corps humain. Voilà. Toutes des références de science-fiction, bien sûr. Comme je vous ai dit, à Metropolis, surtout Metropolis, puisque la ville ressemble étrangement un peu au décor de Fritz Lang. Et moi, j'aime beaucoup ce film, je le défends, parce qu'il mérite d'être défendu pour dire que simplement qu'il était bien avant la Matrix, dans le domaine où il s'avance, et bien je veux dire, il fait figure de précurseur. Matrix, on le porte toujours au nu. On voit, quand on voit ce film, on voit qu'il n'en est rien et on voit que les Wachowski ont tout emprunté à Alex Proyas. Alex Proyas, qui d'ailleurs a eu l'idée de faire ce film dans la foulée qui réalisait The Crow. Alors, c'est un film qui n'a pas eu trop de succès au budget, au box-office, puisqu'il accumule que 27 millions de dollars, ce qui est déjà une somme, mais. Pour un film distribué par la Warner,
C'est bien sûr pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas de suite. Pourtant, il a fait quand même à peu près en France, il a fait 900, un peu plus de 900 000 entrées. Mais pareil, c'est pas. Il faut dire qu'en 98, hein, les succès qu'il y avait à cette époque-là, dont un certain l'histoire d'un bateau qui coule, hein, merci Monsieur Cameron. Mais bon, c'est pour ça que ce film a été un petit peu, pas boudé, mais on peut sortir un petit peu dans l'ignorance totale. Alors que si on était allé voir ce film, beaucoup de gens auraient ensuite pu comprendre que les Wachowski n'ont fait en 2003, eux, qu'ils annonçaient quelque chose comme une révolution cinématographique. Eh ben non, mon cher, ça existait déjà dans ce film. Hein, ça existait déjà. Et le film ne prétend pas non plus une révolution, puisqu'il emprunte beaucoup à Metropolis et à la quatrième dimension. Mais j'ai envie de dire, de le défendre un petit peu, parce que, voilà, le faire ressortir un peu comme ça, histoire de dire que, oui, ceux qui ont défendu Matrix, en disant que c'est une révolution au cinéma, qui revoient un petit peu leurs intentions à la baisse, et qui voient plutôt ce film où, qui est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus révolutionnaire dans son thème, que ne le sera 5 ans plus tard le film des Wachowski. Eh oui! Donc Dark City de Alex Proyas, un film qui est à revoir, vous voyez que moi je l'ai en DVD. Je crois qu'il doit exister sur quelques plateformes. Il n'est pas sur Netflix, il n'est pas sur Disney+, mais bon, c'est facile à trouver. Faites-vous votre idée, parce que c'est un film qui va vous retourner un petit peu, au début, on n'est pas. On ne sait pas trop ce qui passe, et puis progressivement, on a la révélation du pourquoi, qui sont ces gens. C'est beaucoup d'influence à l'histoire d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que la façon dont les étrangers sont parés, là, ce qu'on appelle les étrangers, sont parés avec leur chapeau, leur long manteau noir, ça fait penser un petit peu à la Gestapo, puis ils se ressemblent tous comme ça, ils sortent tous alignés quand ils sont en assemblée, on a l'impression de les voir, puis aussi quand leur chef parle, filmé, derrière l'horloge qui arrête le temps, à des lumières vertes avec cette colorimétrie particulière qui installe une ambiance un peu sombre. On est un peu dans le fascisme, hein. On est quasiment dans une période fasciste, mais en plus, avec ce décor, ce décorum qui est choisi d'un peu les années 40, c'est typique. C'est typique un peu de ces années sombres de l'histoire. Sombre comme l'est tout le film. Et c'est vrai qu'on est dans un film qui est d'une noirceur totale, quoi. C'est glauque, c'est on appelle soleil, on voit des gens qui sont là, puis lui qui suit sa quête, qui est pourchassé, à la fois pourchassé par deux clans, et qui est dans une sorte de ville labyrinthique haute qui l'écrase. Et c'est quand même un film qui reste quand même optimiste, hein, on est quand même dans un film américain, mais tout le long on est bercé par un certain optimisme ambiant, et c'est proprement génial. Il y a quelques scènes spectaculaires de quand il remodèle la ville, il y a aussi quelques batailles, tout ça, pas beaucoup, c'est pas un film d'action, c'est un film qui plutôt nous plonge dans la quête d'identité, la mémoire, surtout les trous, surtout le passé recomposé. Est-ce que l'on n'est jamais sûr de ce que l'on fait, ou est-ce qu'on a le jouet, l'illusion, tout ça? C'est un film assez fort que je vous encourage à vous repasser. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, histoire un petit peu de changer de film. La dernière fois, j'avais parlé du Hobbit, je continuerai d'en parler de cette trilogie, mais j'aime bien un petit peu, comme ça, varier les plaisirs et parler un peu d'autres films. Donc, Dark City, avec de Alex Proyas, avec Rufus Sewell et Kevin Sutherland, fils de Donald Sutherland, tel père, tel fils, j'ai envie de dire. Très bon film de la fin des années 90, précurseur de Matrix, j'irais même son inspirateur. Tant pis si les fans m'écoutent. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt, et je vous dis au plaisir.